وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Serviteur d'Allah, la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala est la meilleure acquisition qu'une personne puisse avoir, et son obéissance est la plus haute des attributions. Ô vous les musulmans, serviteurs d'Allah, les gens se dépassent et se concurrencent dans les caractères et dans la moralité, dans les paliers de bienfaisance et dans les belles qualités. Le fait de pardonner à quelqu'un qui a fauté dans les choses de la vie et à celui qui a manqué dans les droits de la compagnie et les règles établies en matière de relations, et le fait de fermer les yeux sur ses fautes et feindre l'inattention sur ses manquements et accepter ses faux pas font partie des meilleurs et des plus nobles marques de caractère. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens des versets: et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme les cieux et la terre préparé pour les pieux. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et qui pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le sens des versets: ceux qui évitent de commettre les péchés les plus graves ainsi que les turpitudes et qui pardonnent après s'être mis en colère. Allah ta'ala dit aussi dans surat Shura dans le sens des versets: et qui atteint par l'injustice riposte, la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action identique, c'est-à-dire une peine identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah, il n'aime point les injustes. Quant à ceux qui ripostent après avoir été lésés, ceux-là, pas de voie, pas de recours légal contre eux. Il n'y a de recours que contre ceux qui oppriment et lèsent les gens et qui commettent des abus, contrairement au droit sur la terre. Ceux-là auront un châtiment douloureux. Et celui qui endure et qui pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires, dans le sens des versets. Allah Ta'ala a légiféré la justice qui est le talion, mais il a encouragé au pardon qui est un degré plus haut. Le Tabi'i Al-Jalil, le Tabi'i, c'est ceux qui ont rencontré les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont morts sur la foi. Ce tabi'i qui était un grand savant parmi les tabi'in de Koufa, qui s'appelle Ibrahim al-Nakha'i, qui a rencontré notre mère Aïcha radiallahu anha, il a rapporté, en parlant des compagnons et des gens de son époque, des tabi'in, il a dit: ils détestaient se faire humilier, mais quand ils montraient la capacité à se venger, quand ils montraient qu'ils étaient capables de se venger, ils pardonnaient. C'est-à-dire, ils pardonnaient par force, pas par faiblesse. Ils montraient qu'ils sont capables de se venger, mais à ce moment-là, ils pardonnaient. Ils ne se vengeaient pas. Le pardon, c'est plus proche de la piété. Et le fait de tourner la page, c'est plus honorable pour la fin d'une personne. Et d'oublier et de fermer les yeux sur les erreurs, ce n'a fera que de laisser une bonne réputation à une personne. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par l'imam muslim: l'aumône n'a jamais diminué de l'argent, et Allah ne fait que rajouter de la considération à une personne qui pardonne. Et celui qui se rabaisse pour Allah, Allah l'élève. De même, dans le hadith de Aqba ibn Amir al-Juhani radiallahu anhu, il dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: lie les liens avec celui qui les a rompus avec toi, donne à celui qui te prive
et pardonne à celui qui t'opprime. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mimbar et il a dit: faites miséricorde aux gens, on vous fera miséricorde, et pardonnez, Allah vous pardonnera. Surah Abu Huraira radiallahu anhu, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans l'histoire d'Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, ce hadith est rapporté par Ahmad et Abu Dawood avec une chaîne de transmission, une bonne chaîne de transmission. Donc, dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un serviteur qui subit une injustice et puis après cela ferme les yeux pour Allah, ferme les yeux pour Allah le Tout-Puissant, sans qu'Allah ne lui donne une belle victoire, une plus belle victoire du fait qu'il a fermé les yeux pour Allah. Oh vous les musulmans, la patience au moment de la colère et l'indulgence quand quelqu'un nous fait une injustice et le pardon à une personne qui a transgressé, c'est un haut degré et une des plus nobles qualités en islam et les plus honorables. Ne peut atteindre ce degré-là et cette qualité-là que les patients, les bien guidés, ceux à qui Allah Ta'ala a donné la permission, subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala dit dans le sens des versets dans Sourate Fussilat: la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui sont patients et endurent. Et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce et d'une chance infinie. La chance venant d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Amr ibn al-As a décrit les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari. Écoutez comment était notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était ni brutal, ni rude, ni crieur dans les marchés. Il ne repousse pas le mal par le mal, mais il pardonne et fait grâce. Sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, la mère des croyants, radiallahu anha, a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam n'a jamais rien frappé de sa main, ni une femme, ni un serviteur, sauf quand il combattait au service d'Allah. Jamais il ne s'est vengé d'un tort qu'on lui avait fait, sauf s'il s'agissait de la transgression d'une limite sacrée d'Allah le Très-Haut. Dans ce cas-là, il se vengeait pour Allah. Ô vous les musulmans, il n'y a pas de tranquillité, ni de paix, ni de bonheur, sans avoir un cœur pur des insufflations de la haine et des flammes de l'animosité et des filets de la jalousie. Et des filets de la jalousie qui entourent le cœur. Celui qui retient dans son cœur de la haine et qui attend l'occasion pour pouvoir se venger et qui garde en lui le mal, sa vie va pourrir et sa personne va être éparpillée et son corps va faiblir, il va en devenir malade. Et son honneur sera mangé, car il aura mérité cela. Tout le bien, toute la tranquillité, c'est dans le fait de fermer les yeux, de tourner la page, de feindre l'inattention et de pardonner. On a demandé à l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, est-ce que c'est vrai que le fait d'être préservé de tout mal et la tranquillité, elle est de 10 portions et que 9 portions sur 10, c'est le fait de feindre l'inattention. Feindre l'inattention, c'est-à-dire, ça veut dire quoi feindre l'inattention? Quelqu'un te fait un mal, tu fais comme si tu n'avais pas vu. Quelqu'un se moque de toi, tu joues l'imbécile. Tu fais comme si tu ne comprenais pas qu'il se moque de toi.
Mais tu comprends. Tu comprends, tu es capable de le remettre en place. Mais tu fais comme si tu n'avais pas compris. C'est ça, feindre l'inattention. Donc, on a demandé à l'imam Ahmed, dit que le fait d'être préservé de tout mal et d'être bien et d'être tranquille, c'est portionné en 10 parts. 9 parts sur 10, c'est le fait de feindre l'inattention. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit non. 10 parts sur 10 de la tranquillité et d'être préservé de tout mal, c'est le fait de feindre l'inattention, de faire comme si tu n'avais pas vu. L'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit, dans un poème, dans des vers de poésie, dans le sens, il a dit, « Quand j'ai pardonné et que je n'ai gardé de haine envers personne, j'ai apaisé mon âme du souci de l'animosité. » Donc le premier à trouver la paix, c'est celui qui pardonne. Car celui qui ne pardonne pas va être hanté par ses soucis et par sa haine, qui ne va pas le laisser vivre tranquille. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens des versets dans Sourate Al-A'raf, accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Serviteur d'Allah, pour finir, pardonnez-vous entre vous dans ce mois béni. Tournez la page de celui qui a transgressé ou qui vous a fait un mal. Faites cela en cherchant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. En espérant la récompense, la grande récompense et la haute place et le haut degré auprès d'Allah de ceux qui pardonnent et tournent la page. Sortez de l'étroitesse de la dispute pour la largesse du pardon. Et sortez de la difficulté des relations au fait d'avoir des bonnes relations avec les gens. Et pliez le tapis de la rupture et de la haine et de l'animosité, et liez les liens et la corde de la fraternité, et faites les causes de l'amitié et de l'amour, et acceptez les excuses des autres, car accepter les excuses fait partie des plus nobles caractères. Et quand vous êtes capable et vous avez la capacité de vous venger ou de punir, alors pardonnez. Pardonnez tout cela en reconnaissance envers Allah qui vous a donné cette capacité de vous venger, qui vous a fait d'être capable de vous défendre. Faites ça en reconnaissance et en remerciement à Allah qui vous a donné cette force et cette capacité de vous venger. Nous allons finir avec deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma a dit, une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô messager d'Allah, combien, jusqu'à quand on peut pardonner à notre servant, quelqu'un qui travaille pour nous? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Il lui a redemandé, combien de fois on peut pardonner à un servant? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. À la troisième fois, il lui a dit, pardonne-le 70 fois par jour. Ça, c'est un servant, quelqu'un qui a ton service, qui travaille pour toi. Qu'allons-nous dire alors des autres? Dans un autre hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, Abil Ahwas rapporte selon son père qu'il a dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, il y a une personne, quand je passe à côté de lui, il ne m'honore pas et il ne m'invite pas. Quand lui, il passe à côté de chez moi, est-ce que je lui réponds pareil? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, non, honore-le et invite-le. Honore-le et invite-le. Allah ta'ala a dit dans le sens des versets, dans sourate An-Nisa, que vous fassiez du bien ouvertement ou en cachette, ou bien que vous pardonniez un mal, alors Allah est pardonneur et omnipotent. Serviteur d'Allah, profitez de ce mois béni, ce mois de pardon, ce mois où on espère tous être des affranchis de l'enfer, de gagner le pardon d'Allah, pour pardonner aux gens, car comme vous avez pu l'entendre, celui qui pardonne aux gens, Allah lui pardonne ses fautes. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ما يحب ويرضاه وصلى الله على محمد
وعلى آله وصحبه وسلم وقوموا إلى صلاتكم. وقل رب زدني علماً.